Salut les amis, j'espère que nous en forme dans la vidéo ça. Nous allons résoudre ensemble avec moi un petit exercice suite. C'est un très très bel exercice que lié. Si vous nouveau sur channel, je vous invite à abonner, partager la vidéo, quitter un like sur le site for plaisir déjà one love. Je dis nous comme ça, soit la suite UN. Je dis nous petit N appartient à grand N star. De raison Q strictement positif et de premier terme U1 égale à 1 demi. Tel que 81 fois U10 égale à 16 fois U6. Je dis nous déterminer la raison de cette suite qui c'est client. Je dis nous pour nous calculer la somme SN qui égale ensemble avec U1 plus U2 plus petit point jusqu'à UN plus limite SN. Puis limite SN en fait. Je dis nous N tend vers plus l'infini. Bon, les amis, yo te di nou kon sa ke ti n li menm li apati an n star. Et puis yo di nou kon sa ke U1 égale avec 1 demi, yo ban nou 81 U10 égale à 16 fois U6. Yo di nou pour nous déterminer raison suite là. Et bien, pour cela, pour nous joindre raison suite là, les amis, nous pral fonjan pour nous écrire expression ça sous l'autre forme. Mais pour nous écrire sous l'autre forme, il faut que nous supprimer U10 ou bien U6. Donc pour cela, faut que nous écrire une en fonction de l'autre. OK? Et bien, qui ça la fait, nous pral chercher U10 en fonction de U6 de préférence. Et n'a dit cherchons. OK les amis. Gen yon ti formule qui dit UN égale ensemble avec UP fois Q puissance N moins P. A noter que il faut que N lui-même est supérieur ou égal à P. Ça c'est une condition qui doit respecter. OK? Donc ça c'est dans formule ça retirer formule générale suite géométrique. Lorsque gagne premier terme qui c'est U0, premier terme qui capable U1 quelconque. Pour arithmétique là gagne un dou mais c'est pas même bagarre OK. Eh bien les amis, puisque me dit nous faut que n lui-même est supérieur ou égal à p, si nous gagne besoin U10 en fonction de U6, ça signifie que 10 lui-même est supérieur à p. Donc ça veut dire n pour nous a égal à 10, p pour nous a égal à 6 puisque nous-mêmes c'est U10 avec U6 nous gagne. Eh bien ça veut dire UN c'est a U10 pour nous a égal à UN. Et UP, les amis, c'est U6 pour nous. Donc là, on a mis UP. OK? J'espère que nous détailler la formule pour nous là. Eh bien là, si nous avons besoin de U10, on a dit U10 égale. C'est U6 qui a représenté UP fois Q. Je dis nous N moins P. Eh bien, c'est 10 moins 6. Ça va 4. Ça, c'est U10 en fonction de U6. J'espère que nous, les amis. Eh bien, quand ça a fait, nous pouvons remplacer U10. Dans l'expression qui était ban nous au départ là. Et bien ça n'a fait n'a dit c'est 81. OK, n'a dit c'est 81. Pas oublier il dit nous U10 là égal à U6 et Q puissance 4. Et bien n'a dit 81 U6 Q puissance 4 cap égal ensemble avec et valeur que nous t'ai gagné l'autre bois qui c'est 16 fois U6. OK, qui là. OK. Et bien kounya ça que nous même nous gain besoin les amis, c'est Q. Mais là nous gain Q puissance 4, n'a prendre de tout ça qui colle avec pour aller en bas. Et bien là n'a gain c'est 81 fois U6. U6 en les U6 en bas. Ça floche. Nous gain Q4 qui égale avec 16 sur 81. Kounya les amis, pour nous capable joindre Q, il faut que nous prenions racine 4e de 16 et racine 4e de 81. OK, ça veut dire pour nous joindre Q, on dit il faut que nous prenions racine 4e de 16 et nous prenons racine aussi 4e de 81. Ah pardon, lorsque on dit nous racine 4e non, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est un nombre ou bien un chiffre quelconque ou multiplier 4 fois qui va le bon 16. Et bien si nous font garder, si nous décomposer 16, nous gagnons 16, nous connaissons 4 multiplié par 4. Si nous décomposons le premier 4, nous avons 2 fois 2. Si nous décomposons le deuxième, nous avons encore 2 fois 2. Et bien, si nous gardons après, nous gagnons 2 puissance 4. Donc, bon, c'est nous ça. OK? Donc, nous décomposons le premier 4 2 fois 2. Deuxième 4 nous avons 2 fois 2. Donc, c'est 2 puissance 4. Ça veut dire 16 égale à 2 puissance 4. Si nous décomposons 81, 81 égale à 9 fois 9. Si nous décomposons le premier 9, c'est 3 fois 3. Deuxième, 3 fois 3. Et bien, c'est 3 puissance 4. Eh bien, 81, les amis, égale à 3 puissance 4. OK? Eh bien, kounya, les amis, qui ça a fait? Nous avons fait Q égale avec, nous avons toujours quitté le comme ça. Vous avez dit c'est racine 4e, et vous avez dit là, c'est 2
puissance 4. Et là, tu as toujours gagné racine 4e ou tu as dit c'est 3 puissance 4. Si tu fais la calculatrice, là bas où résultat normal. OK, ça va dépendre de qui calculatrice tu gagnes. Il y en a bas où valeur et direct ou bien il va bon valeur là en sous nombre forme à virgule. OK? Et bien les amis, qu'on a là qui ça n'a fait. Pas oublier gonti théorie qui dit ben mettez là pour nous sous gagne par exemple ou gagne racine n-ième de a puissance p, et bien ou a dit ça égal ensemble avec a. OK? Et ou a dit c'est p sur n. Ça c'est en théorie. Et bien là m'a dit q lui même l'a égal c'est 2 c'est 4 sur 4. OK, on prend 4 ça, on divise par 4 ça puisque c'est même bagaille là, et là m'a dit c'est 3 4 sur 4 encore. Et bien q a égal en l'a bam 2 en bas bam 3. 4 sur 4 ça va 1, 4 sur 4 ça va 1. Ça a raison les amis. Q égal à 2 tiers. Très simple. Qu'on y a là, nous pour aller, nous pour aller chercher et SN. Et après, pour nous capables de joindre limite SN, les amis. Les amis, pour nous capables de joindre SN, donc, on a dit SN lui-même, là, on a posé la formule là. Et c'est U1, puisque nous avons le premier terme, nous, qui c'est U1, Jean qui est au nous là, les amis, au départ, dans l'exercice là. Donc, pour calculer SN, somme des termes d'une suite géométrique du premier terme U1, ok, si suite là c'est UN, et bon, on dit c'est U1 qui c'est premier terme, 1 moins Q puissance N. N ça représente le nombre de termes, et sur 1 moins Q. Ok, et bien c'est assez simple, nous avons tout bas ça. On a seulement remplacé et puis pour nous faire calculer. U1, les amis, c'était 1 demi. Qui là? Et nous avons un facteur de 1 moins Q. Nous sommes cherchés, hein. C'est 2 tiers, non? Puissance n. Donc là, mettez crochet de préférence. Et puis, en bas, on a still gagné 1 moins 2 tiers, puisque tu dis 1 moins q. Donc là, on a dit Sn égale. Grand barre de fraction. Et on a still quitté en l'air janvier. On a mettez crochet 1 moins 2 tiers. Puissance n, nous fermer. En bas, les amis, on a fait 3 fois 1 ça. 3 fois 1 ça pour le bonheur 3. 3 moins 2 pour le bonheur 1. Donc, en bas, le bonheur 1 tiers. Ça, c'est lorsque nous faisons pour soustraction. Et bien, kounya, les amis, là, nous gagnons tout en l'air là, lui-même, différentiel, à diviser par 1 tiers. Donc, c'est une fraction à diviser par l'autre. On a pris un premier, à multiplier par deuxième, inversé. Ça qui fait que nous avons Sn égal. Donc, inverse de 1 tiers, à égal à 3. Et bien, nous avons c'est 1 demi. Grand cochet, 1 moins 2 tiers puissance n multiplié par 3. Donc tout ça là, c'est multiplication. On va faire 3 multiplié par 1, ça qui là, pour venir moins 3 demi. Ça qui fait un Sn égal avec 3 demi. Et puis là, on dit c'est facteur de 1 moins 2 tiers puissance n fermé. Puis là, on calme. Ou ka quitter le comme ça, ou bien on fait multiplication, on fait 3 demi fois 1, qui va bon 3 demi, et vous faites 3 demi fois 1 là encore, ça rend 1 devant qui va écrit, qui va venir ou moins 3 demi de tiers puissance n. Même bagay là. Kounya les amis, nous pralé pour nous capables de jouer limite Sn. Pour nous jouer limite Sn, les amis, raison suitement là, les amis, qui c'est Q, qui égale à 2 tiers, li situé entre intervalle moins 1 et 1. Donc, ça signifie que limite Q, les amis, la égale ensemble avec 0, limite Q puissance N égale à 0, et eh bien ça veut dire toute partie ça qui la pour l'égal avec 0 net, et eh bien m'a gagné 1 moins 0 qui va bon 1, m'a gagné 3 demi fois 1 qui va bon 3 demi. Donc nous pour le faire pour capable plus bien. Donc maintenant les amis, ça c'est Sn, ok, que nous avons là, et eh bien là moi dit limite Sn égale ensemble avec 3 demi. Donc mettez crochet 1 moins 2 tiers. Plus l'infini, moi remplacer n par plus l'infini et puis moi fermer. Ça va bay 0 les amis. Moi dis nous là bay 0 pour qui raison? Raison les amis, li entre intervalle moins 1 et 1, eh bien ça veut dire que lorsque on calcule limite q puissance n n tend vers plus l'infini, là égal à 0. Ça c'est pour suite géométrique les amis, depuis que raison
li situé l'entre intervalle ça ou mettre connait limite là li ba ou 0 limite raison et ça tout la fait limite suite là li ba 0 ça c'est pour suite là mais là nous gagne somme ça c'est pour on somme nous gagne là nous même et bien pour somme là toute partie ça les amis pour aller ba 0 et bien là puisque c'est q c'est lui même qui détient là faut nous pas oublier ça et bien là m'a dit limite sn lorsque n tend vers puis l'infini li égal avec 3 demi puisque moi dit ça va aller ba 0 tout ça va aller 0 1 moins 0 va aller toujours 1 3 demi fois 1 va aller 1 là où encadré très simple ça c'est pour premier et dernier partie pour limite là et là lui même ça c'est pour premier partie côté nous te calculer raison et puis nous te calculer sn là on love les amis j'espère vidéo te fait nous plaisir.